Bonjour à toutes et à tous. Le soleil arrive enfin à percer. L'été arrive. Les mois de juillet et août sont toujours propices pour les élus et les services municipaux de prendre du recul. C'est aussi le compte à rebours qui est lancé en matière d'élaboration budgétaire, puisque les élus, les services, travailleront durant l'été à une première série d'arbitrages. C'est aussi, pour les services municipaux, l'occasion de remettre à niveau l'ensemble du patrimoine communal, les écoles, les gymnases, les salles culturelles, pour un montant de 160 000 euros de travaux entre le mois de juillet et le mois d'août. C'est aussi le lancement de notre agenda d'accessibilité, avec là aussi 160 000 euros de travaux et des interventions sur 14 sites municipaux. J'ai choisi de faire cette vidéo ici, à proximité de l'église, puisque nous travaillons avec l'architecte des bâtiments de France à l'élaboration d'un programme de travaux, de rénovation de l'église, qui sera finalisé avant la fin de l'année pour un montant d'environ 130 000 euros. À proximité, ici, au niveau du presbytère actuel, sera construite une crèche pour un montant total de 3 millions d'euros, 40 places, et cela concerne environ 100 enfants. Et viendra le temps des travaux à l'automne pour une résidence de 24 logements qui se trouvera dans Mondo sur la propriété Revella. 24 logements et un montant de travaux de 4 millions d'euros porté par le groupe Barenne. Au niveau de la rue de l'Église, la propriété Pello, Bresse Métropole Habitat porte un projet de résidence de 12 logements plutôt orienté pour les seniors et la mairie fera l'acquisition du rez-de-chaussée pour une salle municipale d'une centaine de mètres carrés et y reloger également le presbytère. Nous travaillons également à l'élaboration d'un skatepark avec un groupe de jeunes. Nous avons pu déjà en échanger. La finalisation du cahier des charges est en cours. Les entreprises interviendront vraisemblablement sur les mois de septembre et d'octobre. Et là aussi, nous faisons confiance à la jeunesse. Voilà ce que je pouvais vous dire en ce début du mois de juillet 2016. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été en famille et entre amis.